Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Je vois quelques têtes que je connais, quelques personnes que je connais. Mais parmi vous, j'ai des followers, j'ai des enfants spirituels. Ah, mes enfants spirituels, je pense que je vous ai beaucoup manqué. Ma formation, c'est fini hier. Je dois reprendre certainement en octobre encore, qui ne sera pas dans la même région. Voilà. Je ne vous dis pas c'est dans quel but, quelle formation. Je préfère finir tout d'abord avant de vous dire c'est quoi et c'est pourquoi. Voilà. Donc, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Très fatigant. On avait des journées très, 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 très chargées. Voilà. De 9h jusqu'à minuit. On avait des petits temps de pause, des petits temps de repas, mais on quittait deux fois 1h du matin à minuit parce qu'il fallait faire les théories et les pratiques et tout ça. Voilà. Ça s'est bien passé. Je suis encore là, tout le monde est rentré. Je suis le seul, je suis là, je suis dans la résidence où j'ai logé. Je vais rentrer ce soir chez moi. Et là, on pourra faire des directs de prière, des directs de motivation, des directs de... voilà, parler sur beaucoup de sujets. Mais ce matin, cette journée, je vais saluer tous ceux qui sont connectés là, sur ce direct. Je fais ce direct premièrement parce que vous m'avez manqué. Je fais ce direct premièrement parce que vous m'avez manqué. C'est une manière pour moi de vous dire bonjour. C'est une manière pour moi de vous dire que je pense à vous, que j'étais loin physiquement, mais dans mon esprit, vous avez été toujours là. Et je sais que je vous ai aussi manqué. Donc, voilà. Soyez tous bénis. Yasuka, ah, mon ami, sois béni. Vous m'avez vraiment manqué. J'étais en région parisienne. J'étais en région parisienne. C'était de chez moi à Paris. Soit c'est le train, soit c'est l'avion. Mais tout s'est bien passé. Je suis arrivé sain et sauf. Pendant ma formation, j'ai vu des personnes merveilleuses. On a passé une très bonne ambiance pendant ces jours-là. C'était vraiment agréable. Souvent, il faut se renouveler dans la vie. Il faut se renouveler, il faut renouveler ses connaissances, il faut renouveler sa manière de voir les choses. Et ça m'a beaucoup fait du bien. Là, un peu fatigué de corps, mais je suis là. Alors que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je ne peux pas faire là un direct de prière. Je ne peux pas. Je suis dans une résidence. Je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas tout mon confort que je veux. Je préfère rentrer chez moi ce soir et demain. Ou ce soir, si je ne suis pas trop fatigué, on aura un petit moment de prière pour ceux qui prient avec moi. Mais une seule parole à vous dire, avant de vous parler des 49 soldats au Mali, j'ai une seule chose à vous dire, croyez en vous. Croyez en vous. Tout est possible. Tous ceux qui m'écoutent, quel que soit ton âge, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, j'ai une seule chose à te dire, ce que tu crois. C'est-à-dire que là où tu arrêtes tes limites, c'est là que tu vas t'arrêter. Croyez en vous. Quel que soit l'âge que tu as, si tu as jamais été à l'école, tu dis, je vais même faire des études pour avoir le bac. Et même si tu as 50 ans, tu peux avoir fait tes études, avoir le bac. Et regarde, crois en toi. Crois en toi. Crois en toi. Tout est possible. Tout est possible. Crois en toi dans tous les domaines. Tu peux tout réaliser. Tu peux tout faire. Donc, en toi se trouve une force. En toi se trouve une énergie que tu n'as même pas encore utilisée. C'est comme il y a un dépôt brut qui se trouve encore en toi. Alors, quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit le projet que tu as, même si tu vois qu'il y a des limites, il y a des barrières, il y a des oppositions, la seule chose que tu dois faire, c'est de croire en toi. Si tu crois en toi, tu pourras aller jusqu'au but.
Voilà, si tu crois en toi. Donc, c'est la seule chose que je peux vous dire d'abord à ceux qui me suivent, me direct aujourd'hui. Je vous motive à croire en vous. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Croyez en vous. Tu as 50 ans, ne crois pas que tu peux plus te marier. Tu as 49 ans, ne crois pas que tu peux plus avoir d'enfants. Tu as 60 ans, ne crois pas que ta vie s'arrête là. Tu es d'une famille pauvre, ne crois pas que tu vas mourir pauvre. D'accord? Et tu as des projets, tu as raté plusieurs projets. Il y a des choses que tu as fait qui n'ont pas réussi. Tu es obligé de recommencer. Ne crois pas que c'est fini. Parmi tous ceux-là, toutes ces choses-là, tu vas continuer. Il y a une qui va réussir. Il y a une seule chose qui va changer ton histoire. Il y a une seule personne qui va changer ta destinée. Écoutez, là, dans ma formation, là, tout à l'heure, celui qui nous a formé, le formateur, mais c'est quelqu'un qui connaît des personnalités en France. C'est quelqu'un qui est passé plusieurs fois à la télé. C'est quelqu'un qui connaît presque tous les journalistes, les stars, les présentateurs de télévision. C'est quelqu'un qui est connu sur le plan national et international. Il était à côté de moi, on a pris des photos, on a rigolé ensemble. Demain même, il est prêt à me... Et quand il a su même ce que je faisais, il était impressionné. Il dit, mais toi, tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Tu peux même faire ça à la télé. Tu peux faire ceci. Il est prêt même à me signer, à m'ouvrir des portes chez des gens que j'ai jamais osé pouvoir dire un jour bonjour. Tu vois, c'est comme ça. Si ça m'intéresse demain, je peux dire, écoute, il y a telle chose qui m'intéresse. Est-ce que tu peux contacter telle personne pour que je fasse ceci ou cela? Tout de suite, parce qu'il me connaît, il a confiance en moi, on a eu de très bonnes relations, ça peut se produire. Donc, dans ta vie, il y a une heure, une seconde, une personne, un lieu, un instant qui peut changer ta destinée. Les personnes avec qui j'ai fait les formations, il y a des gens, si ce n'était pas cette formation, je n'allais jamais les rencontrer. Il y avait des stars, il y avait des, comment on appelle, des danseurs professionnels, il y avait des gens qui ont des entreprises, qui forment des gens pour les entreprises. Il y avait, et certains me disent, oh, mais tu sais quoi, ça dit que j'étais aimé par tout le monde, et j'appelle un demain. Je dis, écoute, c'est Ignace, j'ai tel besoin, tout de suite, parce qu'il sait qui je suis. Mais si je ne crois pas en moi, si je me dis, oh, pff, je vais rester dans mon coin, je fais. Il y a des opportunités que je ne pourrais jamais recevoir dans la vie. Hier, par exemple, j'ai rencontré à Paris, pendant la pratique, une grande personnalité de Paris, quelqu'un que tous les stars connaissent. Tu le vois, il est simple comme ça. Mais tous les stars, les gens qui font les trucs à la télé, le connaissent et vont chez lui. Il était là. J'ai voulu prendre une photo avec lui, prendre son numéro. Je me suis dit, non, je ne vais pas courir après des gens. Il m'a vu, il sait qui je suis. Un jour, si j'ai besoin de lui, je passerai par telle personne pour avoir son numéro. Parce que je n'ai pas voulu faire celui qui va balayer le pied de tout le monde. Vous voyez? Donc, crois en toi. Tout est possible. Tout est possible. Crois en toi. Donc, je ferme la parenthèse. C'était juste pour motiver certaines personnes. On va se retrouver, on aura beaucoup de moments de prière, de motivation. Je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, je vais ouvrir la porte de la parenthèse des 49-3. Je commence cette partie-là en disant, en remerciant Dieu d'abord. Je remercie Dieu. Pour commencer, je remercie Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas politicien. Beaucoup de personnes, en m'entendant parler, m'ont attribué des titres. Il y a des gens qui ont cru que j'étais soit de tel parti, de tel bord, parce que j'ai parlé bien de telle personne, parce que j'ai apprécié telle personne. Bon, c'est normal que les gens pensent comme ça, parce que si tu n'aimes pas quelqu'un qu'on vient parler bien de la personne, automatiquement tu vas te dire oui, c'est parce qu'il est avec cette personne. Si je parle bien de Gbagbo, on m'a dit demain, c'est parce que tu es un Gbagboïste. Si je parle bien d'Alassane, on va dire, non, c'est parce que tu suis Alassane. Si je parle bien de Soro, on va dire, non, toi, tu es un Soroïste. Non, c'est tout à fait normal. Ça, je ne peux pas. La seule chose que je déplore, c'est les gens qui viennent insulter, sans même discuter, sans savoir pourquoi tu fais quoi que ce soit. Bon, c'est dommage, mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes, ceux qui vont comprendre, ceux qui ne vont pas comprendre. Je ne peux pas changer tout le monde. Je peux me changer moi-même, je peux me transformer moi-même, je peux me dire à partir d'aujourd'hui, je n'insulte plus, je peux dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'énerver, je peux dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'exprimer de telle manière, mais je ne peux pas changer les autres. Je ne peux pas changer les autres, c'est moi. Je peux me perfectionner, je peux dire, ah, ça c'est une erreur, j'arrête ça, mais ça c'est moi qui peux le faire, mais pour les autres, je ne peux pas. Alors, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique. Normalement, j'aurais jamais dû mettre ma bouche dans ces histoires. Parce que
Je suis serviteur de Dieu. Je suis oint. Oint pour aider le pauvre. Oint pour aider le riche. Oint pour aider le croyant. Oint pour ne pas, pour aider celui qui ne croit pas. Oint pour aider même le brigand. Oint pour aider même le sorcier s'il a besoin de moi parce qu'il veut se repentir, que je sois là pour lui. Même un criminel qui va venir vers moi, que je sois à mesure de l'aider à se confesser, à changer sa vie. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Dieu ne m'a pas appelé pour avoir un parti pris. Malheureusement, à cause de ma nature humaine et de la douleur que je ressens pour certaines choses qui se sont passées dans mon pays, et de ce que je me pose la question, pourquoi les gens agissent comme ça? Pourquoi il y a la méchanceté? Pourquoi il y a des gens qui sont en prison qui ne sortent pas? Pourquoi il y a des exilés? Il y a des gens, ça fait 10 ans, ils ne sont pas rentrés chez eux. Pourquoi il y a des gens? Et cette accumulation de souffrance concernant mon pays m'a amené à rentrer dans une bulle de discussion, dans quelque chose que, en principe, on va dire que je ne maîtrisais pas, parce que je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais fait de politique, je ne défends aucun parti politique. Je suis africain, je peux dire que je défends l'Afrique et les Africains. Je peux dire aussi que je défends les bienfaits de mon pays, la Côte d'Ivoire. En réalité, je n'étais pas obligé de dire des choses négatives sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne m'a jamais giflé, ne m'a jamais volé de l'argent, il ne m'a jamais cassé une maison. Personnellement, il n'a pas de problème avec moi. Il n'a jamais, dans sa famille, personne n'a cité mon nom. Non, personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai eu un problème avec lui parce qu'il est président de la République ivoirienne, parce qu'il est chef d'État de la République ivoirienne. Donc, quand j'entends parler des prisonniers, c'est lui que je vois. Quand j'entends parler des exilés, c'est lui que je vois. Quand j'entends parler des gens qui souffrent, c'est lui que je vois. Donc, j'étais obligé et je suis obligé de citer son nom parce que je ne vois personne d'autre. Je ne vois personne d'autre. C'est lui. Si c'était une famille, on va dire c'est lui le chef de la famille. Donc, c'est à lui que je m'adresse. Certaines personnes ont apprécié. D'autres n'ont pas apprécié. Certaines personnes sont venues m'attaquer. D'autres m'ont encouragé. Mais j'ai joué un rôle comme un acteur dans un film. Je ne sais pas quand je vais arrêter de jouer ce rôle. Mais comme je sais que je ne fais pas de politique, un jour, certainement, je vais passer à autre chose. Et puis laisser ceux qui font la politique faire leur politique. Mais j'ai mis ma bouche plusieurs fois dans certaines choses. Deux fois en tant que prophète. Deux fois en tant que gens activistes, des fois en tant que quelqu'un qui avait besoin de s'exprimer. Donc, je ne regrette rien. Au contraire, je suis très content de ce que Dieu m'utilise, que Dieu m'a utilisé et que Dieu va continuer à m'utiliser, à m'exprimer autant. Mais, je ne dois pas avoir de la haine dans le cœur. Quand tu as un ennemi, même un ennemi ou quelqu'un que tu n'apprécies pas, et qui fait quelque chose de bien, tu peux lui dire, ouais, je t'aime pas trop, mais vraiment, ça, pour ce côté-là, tu as géré. Voilà, moi, en tant que serviteur de Dieu, voilà comment je peux m'exprimer. Quand on prêche ou quand on parle à quelqu'un qu'on veut que la personne change, si tu ne veux pas que la personne change, pourquoi tu parles? Si tu viens voir quelqu'un, tu lui dis, écoute, tu as mis telle personne en prison, ou déjà en prison, libère-les, si tu ne les libères pas, c'est si, libère-les. Et puis la personne, un jour, te libère, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Tu ne vas pas tout de suite venir l'agresser pour lui dire, pourquoi, depuis là, tu ne libères pas les gens, de toute façon, je ne t'aime pas. Non, tu vas d'abord venir lui dire, écoute, je sais que je ne t'apprécie pas, mais là, merci, tu as au moins libéré quatre personnes. Vraiment, c'est une bonne chose, mais si tu pouvais aussi faire un effort pour les autres, et voilà, parce que la personne a fait quelque chose. C'est comme la personne t'a écouté. C'est comme la personne a fait un effort. C'est comme la personne, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire et ce qu'il ne voulait pas faire, il a quand même fait. Donc, il y a quand même un temps de remerciement. Il y a quand même un temps de félicitations avant de chercher à dire quoi que ce soit. Donc, moi, je ne suis pas là quelqu'un qui a un fusil, quelqu'un qui a un couteau, qui a une mitrailleuse et puis qui est là, qui chaque matin se lève, je vais les bombarder, je vais les tuer, c'est pas mon rôle. D'ailleurs, dans mon rôle, je dois souvent pouvoir me mettre à genoux pour prier pour mon ennemi. Ah oui, c'est ce que Dieu me demande. Il dit, quand quelqu'un t'a giflé là, faut lui donner l'autre, hein. Ça, dans mon rôle, réellement, je dois être capable.
Jésus a souffert sur la croix. Hein. Ils l'ont frappé, piqué avec le couteau, blessé. Et pendant ce temps, il priait pour ses ennemis. Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce Jésus-là que j'adore. Et ce Jésus me dit, quand on t'a giflé là, ça t'a fait mal, mais donne l'autre. Ça veut dire qu'il y a toujours un temps de pardon. Il y a un temps d'apaisement. Il y a un temps de réflexion. On ne va pas être là toujours acharné. Parce que quand tu es toujours acharné, en fait, tu ne vis pas. Tu gaspilles ton énergie. Parce que l'énergie peut être employée de plusieurs manières. L'énergie que tu as en toi, tu peux l'employer d'une manière positive comme d'une manière négative. Mais quand tu es toujours en train de t'énerver, tu es toujours contre quelqu'un, tu es toujours en train de crier, tu gaspilles ton énergie d'une manière négative. Mais quand tu es dans le positif, écoutez, tu peux avoir de très bonnes choses dans ta vie sans faire des prières de combat spirituel. Quand tu te lèves le matin, « Oh, je suis content, Dieu est bon, je sais que ça va aller. » Vous voyez, ça fait de sorte que tu es dans une bulle qui attire que des bonnes choses. Alors j'ai vu sur la toile là, j'ai vu que apparemment il y a 3 femmes qui sont sorties au Mali. Les hommes sont restés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la toile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas dit. Moi personnellement, j'ai déjà dit plein de choses. Je ne vais pas venir m'asseoir pour répéter encore des choses que j'ai déjà dit. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a 3 femmes qui sont sorties. 3 femmes qui sont sorties. Les femmes, ces femmes-là, quand on vérifie, ce sont des Ivoiriennes. Je suis Ivoirien, ce sont mes sœurs. Comment elles se sont retrouvées là-bas? On ne va pas retourner, je ne vais pas retourner en arrière. Ce qu'elles sont parties faire, c'était bon ou mauvais, je ne vais pas retourner en arrière pour parler de ça. D'accord? Mais ce que je sais, c'est que ces 3 femmes étaient parmi les 49. Je ne sais pas si c'était que ces 3 femmes qui étaient parmi les 49 comme femmes, mais les 3 femmes sont sorties. Les femmes, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs. On est toujours amené à les... Voilà. Et c'est un grand geste que Assimi Goïta a fait. Pour ça déjà, moi je pense que tous les Ivoiriens, même ceux qui sont contre lui, qui les détestent, devraient au moins lui dire merci. Devraient au moins lui dire merci. Parce que ces 3 femmes sont rentrées. Et ces 3 femmes-là, ce sont des Ivoiriennes. On a vu les photos, elles ont retrouvé leur famille. En tant qu'Ivoirien, je suis content. Elles sont rentrées. Mon but n'était pas qu'on apprenne des gens, qu'on les tue. J'ai intervenu dans cette histoire. Pourquoi? Et je vais continuer d'intervenir, peut-être si ça continue. Pourquoi? Parce que quand il y a eu les 49 au Mali, le comportement des Ivoiriens ne m'a pas plu. Le comportement des Ivoiriens ne m'a pas plu. C'est-à-dire qu'il y a eu un geste, c'est-à-dire la raison du plus fort. Il y a eu des foutaises. Il y a eu des foutaises contre le Mali. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait blessé. Du fait que des gens soient là, vos militaires viennent chez eux, ils disent, nous, on les a pas invités, on sait pas pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont venus faire. On constate que ce sont des mercenaires, mais c'est vous, ils viennent de chez vous. C'est à vous de leur dire, bon, excusez-nous, c'était ceci, trouvez un terrain d'entente. Les Ivoiriens sont frappés leur poitrine. Ouais, on s'en fout. Vous les avez pris, vous les libérez. En 48 heures, sinon les Maliens, on va les faire ceci. Vous les Maliens, vous êtes ceci. Vous les Maliens, vous êtes cela. Vous les Maliens, vous êtes quoi? On va brûler le Mali, on va couper le courant. Assimi Goïta, ta mère, et ceci. Ils ont commencé à se chauffer sur les Maliens. Ils disent non, non, non. Est-ce que ce qui s'est passé, si ça se passe en Côte d'Ivoire, et que ce sont les Maliens qui ont envoyé des 49, c'est-à-dire 49 militaires qui sont rentrés de cette manière, et que l'État ivoirien n'a pas apprécié leur manière de venir, et que l'État ivoirien les a pris parce qu'il les a considérés comme mercenaires, est-ce que cela, c'est comme ça que vous allez faire? Comment vous allez vous comporter? Donc, on dit, mets-toi toujours à la place de ton prochain. Donc, moi, j'ai défendu le Mali. Et je suis fier d'avoir défendu le Mali. Je suis fier d'avoir défendu le Mali. Je ne change pas ma position, je ne change pas ma décision, je ne regrette pas d'avoir défendu le Mali parce que c'était une, pour moi c'était une violation, pour moi c'était un abus de pouvoir,
Pour moi, c'était comme si on a considéré que les Maliens étaient une merde et qu'on pouvait les parler comme on voulait, on pouvait les cracher là-dessus, et ça, je n'ai pas apprécié. Ça ne veut pas dire que j'ai aimé que des gens soient attrapés. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis là-bas. Et pour moi, si les Maliens disent que ce sont des mercenaires, les Maliens ont des preuves. Ils savent pourquoi ils disent que ce sont des mercenaires. Ils ont eu le temps de les questionner. S'ils les ont même condamnés, ils savent pourquoi ils les condamnent. Ils ont des preuves à l'appui. Le gouvernement de Malien ne peut pas se lever, attraper des gens bêtement comme ça, les mettre là, sans aucune preuve. Parce que demain, si on met quelqu'un, s'il y a une histoire de tribunal et tout ce qu'il faut, ils vont montrer les preuves. Ils vont dire, voilà, celui-là, par exemple, c'est pas un Ivoirien. Celui-là, c'est ci, voilà, celui-là, voilà. Celui-là, voilà, voilà sa confession. Ils ont leurs preuves. Ils sont là pour eux. Ils ne peuvent pas se lever comme ça. C'est pas des enfants, c'est pas des personnes bêtes. Ils ne peuvent pas se lever comme ça. Donc, pour moi, je me dis, les agresser les Maliens, alors que c'est eux qui ont certainement raison, ce n'est pas bien. Là, on est en train de voir sur les réseaux sociaux un discours de, je crois, le ministre des Affaires intérieures, quoi, parce que moi, bon, les titres de ceux-là, je ne connais pas trop, qui fait un discours où il regrette, le gouvernement ivoirien regrette, mais je dis, ça là, il fallait faire ça au départ. Il fallait faire ça au début. C'est au début où les Maliens étaient en train de vous dire, en tout cas, reconnaissez, excusez-vous, et puis on passe à autre chose. Ça allait éviter tous ces blablabla qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Il fallait le faire au début. Il fallait le faire au début. Ah, mes frères, excusez-nous. Certainement, vous n'avez pas compris, ou bien il y a ça, on dit, oh, Alassane ne peut jamais demander pardon. Alassane, c'est un dieu, Alassane, c'est ceci. Le Mali, c'est quoi? On va couper courant, on va aller faire ceci. Mais écoute, écoute-moi très bien. Même si tu as l'habitude de frapper quelqu'un, tu te crois plus fort que quelqu'un. Hein? Tu crois qu'il est petit comme ça, parce que toi, tu as confiance en toi. Si la personne dans sa tête, il se dit, et lui là, je vais lui foutre la honte aujourd'hui. Cette petite personne-là, risque de te foutre la honte. Parce que tu as déclenché quelque chose qui lui donne la grenadine, qui lui donne un pouvoir auquel tu ne t'attendais pas. C'est ce qui s'est passé. Quand vous avez commencé à agresser, ils ont commencé à agresser les Maliens et tout ça, les Maliens ont dit, mais si c'est comme ça, on va vous prouver que on n'est pas vos enfants, on n'est pas une merde, ça reste comme ça. Assimi Goïta est resté ferme, le gouvernement de transition est resté ferme. Aujourd'hui, ce qui devait être fait au début, on sent que c'est ce que les gens veulent faire aujourd'hui. Mais maintenant, il y a un doute. Les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que ce n'est pas une manipulation? Est-ce que ce n'est pas une manière de trouver des failles pour aller faire chose? Maintenant, la confiance est brisée. Quand tu aimes une femme et puis demain, tu la surprends avec quelqu'un, même si tu l'as pardonné, tu vas toujours te poser des questions. Quand elle sort, tu te demandes, elle est où? Elle va au marché, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au travail, tu te demandes. Parce que la confiance est brisée. La confiance est brisée. Donc, beaucoup de personnes vont se poser des questions. Est-ce que ça, c'est pas une stratégie? Est-ce que c'est pas un plan? Est-ce que c'est pas ceci? Est-ce que c'est sincère? Parce que ce qui devait être fait au début n'a pas voulu être fait. On a voulu faire la raison du plus fort. Et voilà où ça nous a amené. Des conflits ont failli être entre des Ivoiriens et des Maliens. Heureusement que certains d'entre nous sommes sortis pour dire aux Ivoiriens, arrêtez, le peuple malien n'a rien contre vous. Je dis tout à l'heure, je ne veux pas encore venir redire les choses qu'on a dit avant. On a crié, on a sauté, non. Chaque chose a son temps, on a fini ça. Les trois femmes sont sorties. C'était certainement des cuisinières, c'était certainement des vendeuses, c'était certainement des choses dans l'armée. Peut-être que dans l'armée, on fait un peu de commerce. Peut-être que, bon, comme les soldats doivent manger, on a pris une cuisinière, on a donné des treillis pour devoir les accompagner. Ça, c'est leur stratégie, c'est leur business. Moi, ça dit que ça, c'est leur problème. Le rôle qu'ils les ont donné, le titre qu'ils ont donné, le passeport. Dans l'armée, il y a des cuisinières, il y a des mécaniciens, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Bon, ça, c'est leur business. L'essentiel pour nous, c'est qu'on nous a dit que 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés. Et ça crée des blablabla sur les réseaux sociaux. Maintenant, mon dernier direct que j'avais fait, j'ai dit à Assimi Goïta, j'ai dit au gouvernement de transition de nous donner la liste de ces personnes. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu la liste. J'ai demandé au gouvernement ivoirien pour sa transparence,
de nous montrer les photos et l'identité de ces personnes, qu'on sache nous-mêmes, nous tous, si ce sont tous des Ivoiriens. Si ce sont tous des Ivoiriens. Ça allait peut-être apaiser beaucoup de choses. Où ça allait. Bon, mais je doute qu'on nous donne l'identité de toutes ces personnes. Je doute qu'on nous donne l'identité de ces personnes. Parce que je ne crois pas qu'ils vont pouvoir le faire des deux côtés. Je pense qu'ils vont s'appeler, je pense qu'ils vont trouver des solutions. Et au fur et à mesure que j'avance dans ces genres de discussions, je me rends compte que la politique n'est pas faite pour certaines personnes. Si tu veux être franc, si tu veux être véridique, si tu veux que les choses soient claires, tu ne peux pas faire la politique. Parce que regardez tous ceux qui crient sur les réseaux sociaux. Regardez tous les cyberactivistes des deux côtés. Imaginez qu'il y a une entente entre Assimi Goïta et Alassane parce que la diplomatie les amène à signer tel traité, à faire telle chose. Demain, ils s'élèvent. Assimi Goïta, Alassane va prendre l'avion, il va descendre au Mali. On va le voir en train de saluer Assimi Goïta. Ou bien Assimi Goïta va prendre l'avion et va descendre en Côte d'Ivoire. On va le voir en train de saluer Alassane Ouattara. Les deux vont commencer à... Et ceux qui ont crié partout, bou, 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 nous tous là, bou, 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 je dis, ah! Donc, les gens là, ils nous ont eu. Regarde ce qu'ils ont fait. La preuve, quand on dit on a retiré même les trois sont partis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres qui sont fâchés. Il y a d'autres qui sont énervés, qui sont fâchés. Il y a d'autres qui sont contents. Il y a d'autres qui disent, voilà, c'est Alassane qui a mis la pression sur le Mali, c'est à cause de ça. Il y a d'autres qui disent, non, c'est Alassane qui a demandé pardon. C'est pourquoi le Mali a fait un geste. Il y a d'autres qui disent, mais Alassane, elle n'a pas dit, Assimi Goïta n'a pas dit, il peut. Maintenant, il a libéré toi. D'autres qui disent, c'est-à-dire qu'il aura toujours quelque chose à dire. Mais ce qui se passe entre ces personnes eux-mêmes, leurs coups de fil privés, leurs ententes privées, on ne saura jamais. On est que des cobayes qui crions tout le temps, blablabla. Bla, bla, bla. C'est nous qui avons rien à faire, puis on vient s'asseoir pour crier. Hein? Ah, quelqu'un me dit, il y a la liste. Ok. Je amène-la moi, je veux voir s'il te plaît. Envoie-moi la liste. Avec la liste, ça me fera plaisir. Ça va peut-être m'aider aussi. Mais, rappelez-vous de l'histoire de Gbagbo en prison avec Blé Goudé. Combien de gars, combien de partisans de Gbagbo sont sortis? Wow, wow, quand Gbagbo va sortir, il va renverser à la chance si Gbagbo arrive. Moi-même, j'ai parlé. Si Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, les prisonniers vont sortir. La paix va venir. Le ceci va faire cela. Oh, Blé Goudé, ceci. Ils ont crié, 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 crié. Dès que Gbagbo est sorti de prison, division entre ses partisans. Dès que Gbagbo est sorti de prison, le parti a changé. Même dans son couple, un problème. Madame a pris son chemin. Monsieur est là. Gbagbo s'est créé un autre parti. Certaines personnes se disent, ah donc, on a fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour rien. Donc, le vieux là, il a fait une autre chose. La femme, elle a fait autre chose. Et puis, ils sont là et puis, ils se regardent. Voilà. La preuve là, là, les trois femmes qui sont sorties là. Est-ce qu'on nous a appelé quelqu'un? Ils ont appelé quelqu'un pour prévenir, pour dire, hey, yo, comment tu vas? On m'a fait sortir trois femmes, hein. Comme tu as beaucoup crié sur les réseaux sociaux. Donc, on veut te prévenir, quoi. On va faire sortir trois femmes. On s'est levé un matin, on dit, ah, il y a trois femmes qui sont sorties. Tout le monde voit les photos. Moi, j'étais en formation, donc je ne me suis pas intéressé à ça. Toutes mes journées étaient chargées. Je regardais comme ça. Bon, j'avais même pas mon téléphone. Là, je touchais presque pas. Et ça supplie des gens. Et je suis énervé. Mais pourquoi les a libérés? Mais pourquoi Assimi Goïta nous a trahis? Il nous a trahis. Pourquoi il a fait ça? D'autres qui disent, non, il a bien fait. Chacun va commencer à crier, crier. Yo, hein? À un certain moment, il faut savoir réfléchir. Moi, dans la position où je suis comme ça. C'est-à-dire que je me donne des leçons, je m'éduque moi-même, je pousse, je recule en arrière pour savoir si je peux sauter. C'est-à-dire que où je suis là, je me dis, Dieu merci, trois femmes sont sorties. Mais en même temps, je me dis, hey, si ces personnes-là peuvent s'entendre, pendant que on défend Assimi Goïta, et pendant que d'autres aussi défendent Alassane, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Qui est au milieu de cette histoire? Et puis les deux là, aujourd'hui trois femmes sont sorties. Demain, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va venir. Donc, mon ami, toi tu voulais défendre l'injustice, tu as crié, crié, crié. Maintenant qu'ils ont commencé à s'entendre, reste là un peu et puis regarde-les. Ah ben ça, c'est moi personnellement. Hein. Ça, c'est parce que j'appartiens à aucun parti politique. Hein. Je ne suis pas défenseur de qui que ce soit. Donc, moi, personnellement, je me dis, ok, tu as fait ta part de travail, tu as crié, crié un peu, tu as essayé de mettre un peu d'ordre. Maintenant qu'ils sont en train de parler et que tu entends des discours où on dit que
Nous regrettons, la Côte d'Ivoire dit on regrette ce qui s'est passé, ou bien je sais pas quel mot ils ont employé. Et puis on remercie ceux qui ont intervenu entre eux. Tu sens que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hein? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais mon souhait c'est quoi? C'est est-ce que mon souhait c'est que le Mali soit divisé avec la Côte d'Ivoire à vie, que le Mali ait des problèmes? Non. Mon souhait c'est qu'il y ait une entente. C'est pourquoi moi je suis entré dans cette histoire. Mon souhait c'est que les Maliens et les Ivoiriens n'aient pas de problème. Mon souhait c'est que les artistes maliens puissent rentrer en Côte d'Ivoire tranquillement, faire leur concert, les Ivoiriens rentrent au Mali. Mon souhait c'est que il n'y ait pas de problème entre nous. Donc, si quelles que soient les ententes qui se sont trouvées, et les choses sont en train de s'arranger, hein, en train de s'arranger. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Vous là, vraiment, vous êtes trop fort. Il y a quelqu'un qui dit, il y a d'autres qui disent c'est des commerçants, c'est des menuisiers. Hey, Ivoirien trop fort. Pour lui, il reste pas ailleurs. Il dit en plus, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ah, mon frère, là, là on ne va pas s'en sortir. Hein. La liste est sortie. On dit la liste est sortie, ce ne sont pas des Ivoiriens. Bon, ça veut dire que nous autres, on a dit la vérité. Si ce ne sont pas des Ivoiriens, ça veut dire que tout ce qu'on disait était vrai. Mais malgré que tout ce qu'on disait était vrai, il paraît qu'il y a des libériens dedans. Donc, si le gouvernement libérien, le gouvernement togolais, s'il y a des Togolais dedans, s'il y a d'autres... Et puis, ils sont tous en train de demander pardon à Simi Goïta, en privé, parce qu'ils ne vont pas vous dire ça en public. En privé, mon frère, voilà, on s'est trompé, on a voulu un peu te déstabiliser, mais bon, tu nous as attrapé, hein, tu sais, c'est la politique, hein. Donc voilà, tu vois pas, on va pas laisse tomber, laisse nos gars venir, hein, on a qu'à s'entendre sur tel point, on va régler tel point, et puis mettons ça de côté. Ils vont s'entendre un matin, hein. Ah, il y a des Ivoiriens, mais pas tous, vous voyez. C'est ce que je disais, on disait dans notre direct, on disait que ce n'était pas tous des Ivoiriens. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont cru que c'était 49 Ivoiriens. Vous voyez, les vérités sortent. Donc, mais malgré tout ça, ils vont s'entendre. Et chaque pays qui a ses gars va prendre ses gars. Chaque pays qui a ses gars va prendre ses gars. Hein? Il va prendre ses gars, chacun va rentrer, chacun va en douceur. Et chacun va prendre ses gars pour cacher sa honte et tout. Et puis nous, on est là. On est là, on les regarde. Vous savez, à force d'intervenir dans tous ces trucs de temps en temps, je me rends compte que la politique, c'est une pièce de théâtre. La politique, c'est comme un film, ce sont des acteurs. C'est comme tu vas, tu regardes un film, le gars il est en train de gorger une femme. Oh, pourquoi il égorge? Mais il est en train de tuer la pauvre femme. Toi, tu es assis derrière ton écran, mon frère, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Ils ont étudié ça. Tu t'en vas regarder un spectacle, tu dis waouh, mais c'est formidable. Mais ce spectacle que tu as regardé là, si tu savais combien de temps ils ont pris pour répéter les choses, combien de temps ils ont pris pour répéter, comment ils se sont préparés. Voilà. Tu vois dans le film, le gars a pris un couteau, il est en train de tuer quelqu'un. Tu dis oh, mais lui-là n'est pas bon. Lui-là n'est pas bon. Et tous ceux qui ont regardé 24 chrono, c'est 24 chrono là, comment ça s'appelle? Jack Bauer. Hein? Jack Bauer. Les gens qui le prennent pour une star. Oh, le gars, il a fini de jouer son rôle, peut-être même qu'il ne sait même pas tirer un pistolet. Mais tout le monde le prend pour une star aujourd'hui. Hein? Celui qui a tourné le film de Jésus. La photo de son image est dans le salon des gens. Les gens le prennent pour Jésus, alors que c'était un alcoolique, c'était ceci, c'était cela. C'est une pièce de théâtre, des fois c'est un film. Tu peux défendre quelqu'un, mais je pense que le plus important c'est le peuple. À partir du moment des Ivoiriens, on veut créer des conflits entre des Ivoiriens et des Maliens ou n'importe quel peuple. Moi, ça me dérange. Que les politiciens règlent leurs problèmes entre eux. S'ils ont décidé de régler leurs problèmes entre eux et que ça n'atteint pas le peuple et que le peuple n'a rien à voir dedans et que des Ivoiriens ne vont pas se lever pour aller s'embrouiller avec des Maliens, que des Maliens ne vont pas se lever pour aller s'embrouiller avec des Ivoiriens, oh, ça, ils ont l'habitude de s'entendre entre eux qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Quand des Ivoiriens aujourd'hui disent « Oh, on a des étrangers, il y a trop d'étrangers, pourquoi ceci ?» Même quand on en veut à Alassane Ouattara,
Même quand on en veut qu'on dit c'est un Burkinabé, qui l'a laissé rentrer chez nous? C'est notre ancien président, Oufoué Boigny. Hein? Hein? C'est Oufoué Boigny qui l'a nommé premier ministre. En le nommant premier ministre là, Oufoué Boigny ne savait pas qu'il était étranger. Il savait. Qui lui a donné la carte d'identité? Qui lui a donné la nationalité? C'est pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui lui a donné. Donc, aujourd'hui, on peut crier sur tous les toits. C'est un Burkinabé, c'est un ceci. Mais il n'est pas descendu par parachute en Côte d'Ivoire. Donc, si on veut rentrer, continuer, on va en vouloir même à ceux qu'on apprécie. On va en vouloir à ceux, comment on appelle, à ceux qui, comment ceci. Il y a des gens qui seront remplis de haine toute leur vie. Même par exemple, ce direct que je suis en train de faire, il y a des gens là. C'est-à-dire que quand ils te lèvent comme ça là, c'est-à-dire qu'ils te voient dans leur miroir, ils ont la haine contre toi. C'est-à-dire que tu vas dire quelque chose de bon, tu vas dire quelque chose de mauvais, tu vas être propre, tu vas être sale, c'est pas leur problème. Des fois, ils ne vont même pas t'écouter. Hein. Ils ont la haine, la haine. C'est-à-dire que pour eux, si un matin ils se lèvent et puis ils se disent, est-ce qu'il est mort? On dit il est mort, il est vraiment mort. Ce jour-là, ils seront les personnes les plus. Même quand tu vas mourir, ils auront la haine contre ton cadavre, contre ton tombeau. Il y a des gens comme ça. Même regardez un peu les commentaires, parce que là, je ne les vois pas, les commentaires, je ne les regarde pas. Regardez un peu les commentaires. Vous allez voir que il y a certaines personnes, malgré ce que je suis en train de dire là, que je n'attaque ni celui-là que je parle tranquillement, il y en a qui vont venir, oui, c'est comme ça, et ceci, c'est comme ça, ouais, c'est toi-même qui a, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Mais ce sont des gens souvent qui n'aiment pas la vérité. Ils oublient que moi qui suis assis ici, ou les autres là, on n'a pas pris 49 personnes pour mettre dans un avion pour dire allez-y dans le pays des gens. Ils oublient aussi que quand on les a prévenus, la Côte d'Ivoire, qu'il y a 49 personnes ici qui prétendent venir de chez vous, les Ivoiriens ont dit, on ne les connaît pas, ce n'est pas nous qui les avons envoyés, et qu'après ils sont revenus dire, libérez-les rapidement, et qu'il y a eu des choses qui sont... Ça, ils vont oublier. Ils vont oublier. Donc, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, moi je dis Dieu merci, les Ivoiriens, tout ce qui m'intéressait, Dieu merci, les Ivoiriens et les Maliens ne sont pas en conflit. Ça, c'est tout ce qui m'intéressait dans cette histoire. Dieu merci, les gens n'ont pas pu manipuler le peuple ivoirien pour le mettre en conflit avec le peuple malien. Voilà, moi si j'ai parlé dans ça, là, c'est à cause de ça. Si j'ai parlé dans ça, je n'aurais jamais, de la manière les gens ont manipulé l'esprit de mes frères, jusqu'à il y a eu la guerre chez moi. Les frères du Nord se sont levés, prendre des armes, être des rebelles, s'entretuer, les cadavres qu'on a vus sur les goudrons, la guerre qu'il y a eu chez moi parce qu'on a manipulé nos cerveaux pour dire que des musulmans étaient contre des chrétiens étaient contre des musulmans, le Nord, les gens du Sud n'aiment pas les gens du Nord, les gens de ceci n'aiment pas. J'ai dit, la seule chose qui me dérange, quand les gens commencent à se lever, on va à l'ambassade du Mali, les Maliens ceci, les Maliens ceci, j'ai dit, oh, ceux-là, ils veulent manipuler encore les Ivoiriens pour créer des conflits inutiles pour rester encore au pouvoir. Et ça, je ne l'aurai jamais toléré et je ne vais jamais accepter ça. Voilà, je ne vais jamais accepter ça. Jamais. Donc, si les choses s'apaisent et que les Ivoiriens sont dans leur coin et que les Maliens, le peuple malien, est entre eux politiciens, s'ils veulent s'entendre, s'ils veulent se disputer. Mais tant que ça ne descend pas sur le peuple et que les Ivoiriens ne sont pas en conflit avec les Maliens, moi j'ai remporté ma victoire. C'est tout. J'ai remporté ma victoire. C'est tout ce que je peux dire dans cette histoire. Parce que voir des Maliens en train ou des Ivoiriens en train d'attaquer des Maliens en Côte d'Ivoire et que des Maliens en train d'attaquer des Ivoiriens qui sont au Mali, et qu'il y a un conflit, et que des Maliens se battent contre à cause d'une histoire de 49 personnes qui ne sont pas réellement tous des Ivoiriens, que ce n'est pas nous qui avons ramassé pour aller déposer au Mali, j'ai dit ça, c'est encore manipuler des gens pour les tuer bêtement. Et c'est ainsi, moi, j'ai ouvert ma bouche dans cette histoire. Donc, si c'est apaisé, après, il y a des cyberactivistes qui continuent de parler, parce que chacun défend du côté... De la Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui parlent, du côté du Mali, il y a d'autres qui parlent.
Mais chacun a son combat. Moi, mon combat, je suis pas les gens bêtement. Je suis pas les gens bêtement. Je vais pas, là, je vais m'asseoir pour dire, oh, il y a 46 qui sont restés. Il y a 46 qui sont restés. Il faut que ceci, cela. Bon, ça va me donner quoi, même? Je regarde le peuple. Aujourd'hui, là, il y a personne en Côte d'Ivoire qui peut manipuler les Ivoiriens. Au départ, il y a des gens qui disaient que c'était la jeunesse ivoirienne, Ils ont voulu faire sortir les jeunes Ivoiriens contre les Maliens. Moi, je suis venu ouvrir ma bouche. Je les ai honnis, je les ai attaqués, je les ai refroidis, je les ai saccagés. Aucun Ivoirien n'est sorti contre les Maliens. J'ai reçu ma victoire. Aucun Malien n'a maltraité des Ivoiriens chez lui au Mali. J'ai reçu ma victoire. Le peuple ivoirien ne s'est pas levé contre le peuple malien. J'ai remporté ma victoire. Voilà. Ça, c'est ma victoire que je voulais dans ce combat. Je l'ai remportée. Maintenant, si les 49 l'avons tous sorti, ceux qui vont au Libéré avant, et ceux qui vont aller l'avant, ouais, ça, c'est pas tout mon business. C'est pas mon business. Un politicien, là, il veut trouver leurs accords, arranger les choses. C'est pas mon business. C'est pas mon business. C'est-à-dire que tant qu'ils règlent leurs problèmes en eux et qu'ils prennent pas le peuple, ils manipulent pas le peuple pour que le peuple aille s'entrechoquer, s'entretuer, pour qu'eux, ils restent au pouvoir pour manger. Mais moi, je les regarde, ça me regarde pas ce qu'ils font. Si Alassane Ouattara se sent humilié contre Assimi Goïta, qu'il parle avec Assimi Goïta, il règle le problème. Si Assimi Goïta pense qu'Alassane Ouattara l'a offensé, il règle le problème. Ils ont des téléphones, ils ont des manières de communiquer, ils ont des manières de s'entendre, de parler, et qu'ils règlent le problème. Mais le peuple, surtout moi, mon peuple, la Côte d'Ivoire, on a trop souffert. On a trop souffert. On a souffert de la rébellion. D'abord, coup d'État, rébellion, guerre. On a encore nos frères qui sont en prison. On a nos frères qui sont en exil. On a nos frères qui sont hors du pays, qui souffrent. Et encore, venir manipuler mes frères pour aller se lever contre un peuple frère. Pour dire, battez-vous, entretuez-vous. Parce que ils ont pris nos 49. Alors que ces 49, on ne sait le ni et le pourquoi, du comment. Pourquoi ils sont où, ils viennent d'où, qui sont leurs parents, à cause de quoi, pourquoi ils se sont rendus là-bas. Pourquoi on n'arrête pas les autres et puis c'est eux on a arrêté. On ne sait rien et puis c'est le peuple qui va le mourir bêtement, qui va se créer bêtement des problèmes pour que des gens restent au pouvoir pour manger, dormir. Ça, je ne peux pas accepter. Si c'est pour ça là, si on peut me traiter de tous les maux, on peut m'insulter, on peut me maudire, on peut faire tout. Mais tant que ma conscience me dit que ça, c'est pas bon, je resterai toujours du côté de la vérité. Donc, je salue le Mali d'avoir fait ce geste. Ils savent pourquoi ils l'ont fait. Assimi Goïta sait pourquoi il l'a fait. Je ne dis pas qu'il a été faible. Je crois qu'il sait pourquoi il l'a fait. Le gouvernement ivoirien a fait un discours. J'ai vu ce discours-là. J'espère que c'est sincère ce que le gouvernement ivoirien. Moi, j'espère. Je ne vais pas dire aujourd'hui, non, c'est faux. Ce qu'ils ont dit là, c'est une manipulation, c'est un plan, c'est une stratégie. Non. C'est comme si je ne veux pas que les choses s'arrangent. C'est comme si je veux toujours mettre du feu. Non. Je dis, j'espère que ce soit la vérité. J'espère que le discours-là vient de leur cœur. J'espère que ce qu'ils ont dit, ce discours-là, cette allocution-là, j'espère qu'elle vient du cœur. Et ça, parce que ça peut apaiser les choses, ça peut arranger les choses. Et puis cette histoire, Mali, Côte d'Ivoire, 49 militaires peut rester derrière nous. On a des choses plus importantes à régler en Côte d'Ivoire. Actuellement, il n'y a plus Chéri Gbale qui est en prison. C'est bien qu'elle sorte. Il y a des prisonniers encore, politiques. Toujours on en parle. Et il y a des exilés. Hein? Une justice équitable en Côte d'Ivoire. Une vraie démocratie. Voilà. Une liberté d'expression. Qu'on n'attrape pas n'importe qui pour le jeter en prison bêtement. Et que les choses soient vraiment transparentes et paisibles entre tous les Ivoiriens. Il y a des choses à régler. Hein? Il y a des choses à régler. Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis une chose avant de terminer ce direct. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Ceux les imbéciles qui ne changent pas ». Quand vous voyez des gens qui toute leur vie insultent, ce sont des imbéciles. Ce n'est pas des injures. On dit ceux les imbéciles ne changent pas. C'est-à-dire, si quelqu'un m'écoute, que toute sa vie,
Il n'a fait que mettre des commentaires d'injures, des commentaires de... Parce que je ne regarde même pas vos commentaires. J'ai mis mon téléphone en mode paysage. Les commentaires même ne circulent pas. La seule chose que je vois, c'est des likes et tout ça. Donc, je n'ai pas le temps de regarder. C'est-à-dire que si je passe mon temps à m'occuper des commentaires négatifs, des injures, c'est-à-dire ça fait combien d'années on insulte? Tu es bête, tu es un gros porc, tu es un imbécile, tu es un aigri. C'est-à-dire que j'ai entendu cette chanson, je ne sais pas combien d'années. Si ça devrait m'affecter, je pense que je serai déjà dans le tombeau. Oui. Donc, au contraire, j'avance. Ça ne me fait... Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va m'affecter. Ça ne peut rien me faire, en fait. Mais moi, comme je ne suis pas un imbécile, j'évolue, je change. Là, je viens de finir ma formation, une formation circulante. Là, mais vous me voyez parler là. Je suis paisible parce que je suis en train de passer à autre chose. Il y a des gens qui vont rester derrière à passer le temps à insulter, à commenter. Mais en quelque sorte, sans les insulter, ce sont des imbéciles. Parce que leur cerveau ne peut pas les aider à changer. C'est-à-dire que dans leur cerveau, c'est écrit, lève-toi chaque matin, chaque soir, insulte seulement, maudit seulement. En fait, c'est pourquoi souvent on les appelle des moutons. C'est pourquoi on les appelle des moutons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. On les donne à manger, on les trimballe là et là, et puis un jour on les égorge, on les mange. Vous voyez, c'est ça. Donc, comme moi je ne suis pas un imbécile, je ne vais pas passer mon temps à être là en train d'insulter. Même quand je vais finir ce direct et que je vais voir des commentaires qui ne me plaisent pas, j'ai une seule chose à faire, c'est mon téléphone. Je bloque la personne, je supprime son commentaire. Hein? Je la bloque, je supprime. Ou bien je passe même pas mon temps à regarder les commentaires. Je les laisse. Je laisse les gens qui veulent écrire. C'est leur téléphone. Ils ont envie de s'exprimer. Ils s'expriment. Tout le monde est libre de s'exprimer. Mais quand je vais tomber sur quelque chose qui va me choquer, je dis, oh, ça, c'est pas la peine. Et puis, hop, je bloque la personne. Demain, elle n'aura plus l'occasion même de venir voir quoi que ce soit bon ou mauvais. Puis je la supprime. Parce que je suis pas imbécile. Je ne veux pas être un imbécile qui est assis là, toujours à son téléphone, comme s'il n'a rien d'autre à faire dans sa vie, en train d'insulter. Ouais, tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, je t'ai fait ça. Putain. Mais ma vie ne va pas évoluer. Ma vie ne peut pas évoluer. Il y a des gens qui sont en train de compter des milliards, des millions, ils ont des jets privés, des bateaux privés, ils ont acheté des maisons par-ci, par-là, leurs enfants. Mais à un certain moment, il faut sortir de la boue pour chercher à avancer. Depuis que tu as passé ton temps à insulter, depuis que tu as passé ton temps à maudire les gens sur les réseaux sociaux, depuis que tu as passé ton temps à mettre des commentaires en croyant que tu fais du mal, ça a changé quoi dans ta vie? Ça a augmenté quoi? Rien. Ça n'a rien changé. Si tu es pauvre, tu es toujours la pauvre personne. Si tu es bête, tu es toujours, comment on appelle, une personne bête. Si tu es con, tu vas rester con. C'est-à-dire que des fois même, tu vas être là même en train de faire des commentaires, mais il n'y a rien dans ton frigo. Tu es en train de te demander, même c'est la rentrée là, je fais quoi pour mes enfants? Tu es en train de te demander, mais je suis seul là, je n'ai pas de femme, je fais comment? Tu as une femme peut-être, tu cherches un mari, tu ne l'as pas, tu dis, mais quand est-ce que je vais me marier? C'est-à-dire que tu as un problème que tu dois te concentrer là-dessus pour dire, oh vrai, il faut que je change, il faut que j'évolue ça. Tu n'as pas le temps pour ça, mais tellement que tu es bête et que tu crois que tu es intelligent, qu'en insultant les gens, ça te donne de la valeur. Tu vas rester deux fois sur les réseaux sociaux, et toi, tu es un con. Et il y a des gens, c'est leur rôle sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, en fait, ils sont nés. Et puis, c'est comme si on les a maudits à leur naissance pour dire, reste con et bête toute ta vie. Va sur les directs de ceux que tu n'aimes pas. Perds ton temps à les regarder. Et puis, perds ton temps à commenter. Alors que le temps, c'est de l'argent. Perds ton temps à les insulter. Perds ton temps à les maudire. Mais au final, tu restes pauvre. Au final, tu restes malheureux. Au final, tu restes misérable. Vous avez compris? Je prends un exemple très simple. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Il y a une personne sur les réseaux sociaux. Vous avez vu un moment, je l'ai beaucoup attaqué. Il a perdu sa femme, c'est moi-même qui suis sorti. J'ai dit aux gens, il a tué sa femme. Je l'ai beaucoup attaqué, mais c'est quelqu'un, je ne veux pas dire qu'il est dans mon cœur. Je ne veux pas dire que je l'apprécie. Mais, à un certain temps, au fur et à mesure que j'avance, je me dis, écoute, hein, c'est sa vie. Dieu est là pour juger les choses, les trucs. C'est-à-dire que j'enlève ce poids de cette personne dans ma tête. Ça veut dire quoi? Il y a un moment, je me suis dit, celui-là, je le vois. Le jour que je le vois, je le claque. Mais aujourd'hui, peut-être que
Quand je vais voir cette personne, je vais la dépasser comme si je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais connue. Si elle me dit bonjour, je vais peut-être lui dire bonjour. Parce pourquoi? Parce que ça me retarderait de prendre sa vie, de prendre sa vie, son poids, déposé là. J'ai des gosses qui ont besoin de moi. J'ai des choses à réaliser. Je ne sais pas quand je quitte cette terre. J'ai des projets. Et puis je vais prendre une personne. Je me lève le matin, lui là, je prends pour qui? Quand il parle ici, lui là, je vais aller l'attaquer. Quand il parle, lui là, ceci. Mais c'est que je suis bête. Je suis bête. Ça va changer quoi dans ma vie? Donc cette personne-là, ça dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore sur cette personne. Donc, celui qui veut, il accepte. Celui qui veut, il refuse. C'est sa vie. Mais moi, je ne suis pas là pour être dans son ombre, pour chaque jour parler de lui. Ça va me donner quoi? De l'argent? Ça va régler quoi? Ça va m'envoyer des millions? On m'a appelé hier, quelqu'un me donne un sujet de prière de 10 millions de francs suisses qu'il attend, qu'il me donne un sujet de prière. Si je prie, il me fait une promesse là-dessus. Ça m'a réveillé. Je suis en train de dire, Seigneur, aide-moi, je vais prier pour que ça se réalise. Parce que ce que la personne veut me donner là, si j'ai ça, tu vois, j'ai tel projet, je voulais organiser ça, je voulais faire ça, je voulais acheter ça, je veux faire, ça va m'aider. Donc, actuellement, ma tête est sur la personne. Ma tête est sur son sujet de prière. Ma tête est sur son sujet de prière, pas l'argent là. Ce qu'il a cité là. Sincèrement, j'ai touché ça. Ça n'est clin de. Ça, même mes ennemis vont venir m'appeler mon Seigneur. En un clair de temps, mais si ça, mes ennemis m'ont dit, ouais, tu es un chef. Ils vont même me voir vis-à-vis, ouais, le père, tu peux me donner un peu. Ceux même qui m'ont insulté là, ils vont me rouler le tapis rouge. Ils vont me rouler le tapis rouge. Donc, pourquoi je vais perdre mon temps à m'occuper des gens qui peuvent rien m'apporter, qui me retardent, qui me tirent en arrière, parce que je prends mon temps, mon énergie. Là, je me lève le matin, je dis, vraiment ce sujet-là, comment? Seigneur, je prie comme ça. J'appelle la personne et dis, écoute, on va faire ceci, on va prier comme ça. Et demain, la personne m'appelle et dit, ouais, c'est bon, j'ai reçu la somme. Mais est-ce que même je serai assis là en tête? Toi-même, ce sont d'autres personnes qui vont me filmer et puis tu vas voir sur Facebook. Parce que l'argent, là, ça va changer beaucoup de choses. Donc, pourquoi? Donc, c'est pour dire à ceux qui perdent leur temps, qui perdent leur temps, qui sont sur les réseaux sociaux, toi, tu es maudit avec ta tête là, avec ton nez là. Vraiment, tu es un bâtard, de toute façon, tu es un ceci. Vous savez, ça ne peut pas casser mon téléphone. J'ai un Samsung Fold 3, ça m'a coûté 1600 euros. Ça fait presque 1 million de francs CFA. Vous savez, ça, je fais ce direct. Ça ne va pas le péter. Quand je finis, j'éteins, mon téléphone est encore là. Vous, les menaces, les injures, ça ne va pas me donner la fièvre, ça ne va pas me donner le palu. Ça va pas changer mon teint, ça va pas couper ma barbe. J'avais pas de cheveux, j'ai commencé à y avoir des cheveux à force de prier. Ça va pas encore renforcer mes cheveux, ça va pas déchirer mes affaires, ça va pas m'empêcher d'aller retirer ce que je vais retirer pour mettre dans ma poche. Vous perdez votre temps. Pensez à votre avenir un peu, deux fois là. Sortez de l'état de la bêtance, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, j'aime l'employer comme ça. De la bêtance ou de la bêtitude pour rentrer dans un autre état. Pensez à votre vie. Pensez à votre avenir. Tu peux passer ton temps à insulter des gens pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il est déjà riche, il mange, il dort, il a tout ce qu'il veut. Jusqu'à ce qu'il quitte ce monde-là, l'argent ne va pas lui manquer. Toi, tu as quoi? Tu passes ton temps à insulter les gens pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il a vécu sa vie, il continue de vivre sa vie. Et toi, tu as quoi? Tes enfants ou quoi? Tu as passé ton temps à insulter pour ça, pour maudire les gens. Quand tu finis là, de faire tes commentaires sur les réseaux sociaux, on t'appelle pour t'envoyer un sac d'argent, on te fait un virement pour ça, on t'envoie des Western Union pour dire, oh merci, aujourd'hui tu as très bien insulté, tu as dit maudire au moins 40 fois, aujourd'hui tu as dit, ouais, tiens ceci, tiens cela. Bon, écoute, hein, on va t'envoyer telle somme. Tu as déjà vu ça? Jamais. Jamais. Ça veut dire que ton énergie, ton temps, tu as pris là, tu l'as gaspillé. Tu pourrais prendre pour penser à comment changer ton existence. Donc, je vais dire à certaines personnes, il faut changer dans la vie. Tu vas être là en train de m'insulter, m'insulter, faire des. Puis un jour comme ça, tu es assis devant ta télé. Et puis tu me vois, je suis assis. C'est plus sur Facebook.
Tu sais même pas, par exemple, dire, je suis venu faire une formation, tu sais même pas ce que je suis venu faire. Tu sais même pas c'est dans quel but. Tu es assis et puis tu me vois à la télé française, la télé italienne. Tu vois, on parle de moi. Je suis en train de faire ceci, ça. Tu as dit, là, tu vas faire quoi? Tu as dit, c'est pas le barbier, là. C'est lui qui a dit, mais tu es en retard. Je suis déjà à la télé. Tu es en retard. Avant que je sois à la télé, là, j'ai signé. Il y a un cachet qui est sur mon compte. Tu es en retard. Tu vois, c'est, il faut changer. Il faut changer. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse Assimi Goïta. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse Mater, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les vrais Ivoiriens. Et que Dieu change la mentalité du gouvernement ivoirien. Et tout ce que je demande à Dieu pour le gouvernement ivoirien, c'est qu'il change et qu'il se rappelle que ce pays-là a souffert. Qu'il se rappelle que la guerre a traumatisé beaucoup de personnes. Et que ce gouvernement change sa manière de faire les choses pour inculquer la paix, la tranquillité dans le cœur des Ivoiriens. Après, qu'il reste 50 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir, 10 000 ans au pouvoir, moi je m'en fous. Je bouffe pas leur argent, je n'ai jamais bouffé leur argent. S'ils peuvent rester, ça c'est entre eux politiciens. Mais pour moi, le peuple a souffert. Pensez au peuple. Pensez au peuple. C'est tout mon combat qui est là. Je m'en fous si c'est Roger Bernard, Sud-Ouest, Nord, Sud-Musulman chrétien, qui a été au pouvoir, parti tant, parti 2, parti 3 ou parti 4 qui est au pouvoir. Ça, c'est pas mon problème. Je m'en fous. Il n'y a personne qui m'envoie à manger pour ça. Tant que les choses sont équilibrées, tant que ces erreurs de justice cessent, tant que et on me laisse rentrer les exilés chez eux. Tant qu'on ne met pas les gens en prison bêtement. Tant que le pays est paisible, les gens, c'est comme chacun se débrouille pour manger, chacun fait son business, chacun est truc, tous les Ivoiriens, hey, tu fais ça, tu as ta nourriture, et on avance. On avance. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite. Donc que Dieu nous bénisse, nous tous. Vous-même qui êtes venus m'insulter là, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas vu vos commentaires. Sincèrement, je ne le vois pas. J'ai renversé le téléphone. Non, je ne le vois pas. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous parle. Si tu étais pauvre, que Dieu t'aide à comprendre pourquoi tu es pauvre et que demain ta vie change. C'est-à-dire que si tu avais la haine, que Dieu t'aide à enlever cette haine parce que ça ne va rien t'apporter. Tu peux détester quelqu'un, mais Dieu ne le déteste pas. Donc tu perds ton temps. Voilà, tu perds ton temps. Toi, tu peux détester quelqu'un, mais Dieu ne le déteste pas. Donc, tu perds ton temps. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et s'il y a la transparence, qu'on continue à nous donner la... Il y a des gens qui disent on a la liste. Il y a des gens qui disent c'est pas tous des Ivoiriens. Bon, si les choses commencent à sortir, tu as fini de faire un travail. Le travail est en train de porter. Et tu vas venir t'asseoir pour dire non. Pourquoi j'ai fait le travail, c'est en train de porter. Pourquoi c'est en train de porter et puis ça porte. Et hein? Pourquoi maintenant on voit la liste des gens? Pourquoi on fait ceci? Et puis pourquoi ils ont retiré 3 personnes? Et pourquoi ceci? C'est que tu es la personne, c'est-à-dire que tu sais pas ce que tu veux dans ta vie. Et moi, j'ai crié ici, là. C'est pour que les Ivoiriens, les Maliens ne s'entretuent pas. C'est tout mon combat qui est là. Voilà. Maintenant, là, si les choses s'apaisent et ça continue de s'apaiser, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. C'est fini. Aucun politicien ne va lever son doigt pour dire ce monsieur-là, je lui ai déjà donné de l'argent. Ce monsieur-là, je le connais. Ce monsieur-là, il n'y a pas. Tous ceux que j'ai défendus, tous ceux que je n'ai pas défendus, aucun. J'ai ma conscience tranquille. Je suis en paix avec moi-même. Et mes convictions m'amènent à dire ce que ma conscience accepte. Et ça me va très bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ce soir, quand je vais rentrer, parce que je rentre vers les 21 h, si je ne suis pas fatigué, ceux qui prient avec moi, on aura un moment parfait et formidable. Dans le cas contraire, si je suis fatigué, puisque ça fait quand même quelques jours, je n'ai pas vu la famille, ça sera demain. On va reprendre nos activités. Préparez-vous, ça va être fort. Préparez-vous, ça va être puissant. Préparez-vous, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Ça va vous étonner, ça va être très puissant. Dieu vous bénisse. Passez une très, 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 très bonne journée. Bye.